Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Au capable. Qui t'aime, réveille-nous à soi. La passe est finie. Qui va nous venir ça? 1 Pierre 4, verset 7. Temps presque fini. Moi, c'est pasteur Chilor Monéis. Moi, j'ai milité en Haïti. La mission Bethel, qui est dirigée par le révérend pasteur Jean-Daniel Dieudonné. Moi, j'ai travaillé avec pasteur Daniel, la mission Bethel en Haïti. Moi, j'étais responsable de l'assemblée dans Pernier, qui est en section communale, la Pétionville. Et après 34 jours, je suis fini de passer dans mes kidnappeurs. Et 3 jours après la libération, je suis monté par bon ici. Là. Moi, je vous dis merci du fait qu'il quitte la vie dans moi encore. Et moi, je dis merci spécialement du fait qu'il ait décidé d'utiliser ma soya comme porte-parole. Et moi, je remercie le directeur de l'église là pour l'invitation ça. Spécialement pasteur Ena. Et pasteur Terna Alcide, qui c'est belle sœur moi, les chargés pour nous saluer nos lui. Alors pasteur Terna Alcide, vous lui dites bonsoir. Amen. Il n'y a pas qu'à prendre parce qu'il travaille qu'un belle. Si c'est pas ça, il a pas ça avec moi à soir. Nous lisons ensemble la veine dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Assoya dans la mesure de grâce que bon Dieu fait nous t'aurons aimé partager avec vous la parole de Dieu. La fin de toute chose est proche. Nous tous qui là, même j'ai avec moi. L'on compte ça, ça signifie proche. Proche, c'est un bagaille qui doit le finir bientôt. Nous voyons par exemple les élus, les présidents, les sénateurs, magistrats, etc. Il y a un mandat, et le mandat a un l'air pour le finir. Il y a tout près de nous là, le président Joe Biden, qui n'a fait mandat. Il y a l'élection en novembre, et en janvier, qui n'est pas passé, qui n'est pas passé, mais le premier mandat là, fini. Ça veut dire, le président Biden, les proches n'ont fait mandat. Même Jean monte ça, Gayon l'aile de commencer. Et d'après la Bible, donc on est le monde de commencer dans l'état de cet été. Et après le péché, le monde vient tomber dans l'état de pécheresse. Et bon Dieu fait plein de rédemption et lui fixer un temps pour le monde là fini. Même Jean Pasteur nous a dit à l'éa, tant l'a fini quand même, oui. Quitte nous voulait, quitte nous pas. Amen. C'est même Jean la vie nous. La vie nous a fini quand même, quitte nous voulait, quitte nous pas.
Et chaque monde qui mourit, c'est comme si le monde là fini pour vous. Si vous voulez considérer la fin des temps, considérez fin la vie. Et fin la vie, vous êtes capable instantanée parce que vous avez un l'air pour mourir. Pendant que je prêche des micros à l'âme, vous tombé pour mourir. Avant de sortir, vous avez tombé pour mourir. L'arrivée de la carte, vous avez tombé pour mourir parce que la vie ou pas dépend de vous, il dépend de bon Dieu. Qui donc, puisque monde là, rivé dans bout de lit, les proches, les presque fini. Moi avec vous, non devons considérer ça. Et qui est un monde considéré un bagaille? Leur considérer un bagaille, c'est leur garder là attentivement. C'est mon bagaille que vous pouvez passer. Non, vous avez gardé le bagaille là attentivement. Vous avez suivi de près. Mais ça, c'est un bagage à considérer. Moi-même avec vous, nous devons considérer la fin du monde ou la fin de notre vie. Si vous ne voulez pas considérer la fin du monde, là, au moins considérer la fin de la vie. Le message à soi, nous proposer pour nos baous trois façons pour considérer la fin du monde. Là. Ou bien faire la vie. Première façon pour considérer faire le monde là ou bien faire la vie ou fait pour considérer ça à la lumière de la venue imminente de Christ et de la fin du monde. La lumière, à la lumière de la venue éminente. Jean-Pasteur nous a dit ça tout à l'heure. Prophétie est importante, c'est vrai. Le même ça qui est bien important pour nous, nous voulons être sauvés. Face à face. Alléluia. Eh bien, on nous considère la vie, nous, à la lumière de la venue éminente de Christ. Et qui j'en a fait ça? N'a fait ça en vacant à la prière. Puisque nous considérer la vie nous à la lumière de la venue éminente de Christ, nous devons poser des actions. Première action nous devons poser, il faut que nous vaquer à la prière. Il y a des gens qui vont jamais prier. Pourtant, ils étaient des servantes. Pourtant, ils étaient des serviteurs. Prière, c'est communication que vous gagnez avec bon Dieu. Il faut que vous priez pour faire bon Dieu qu'on ait besoin de vous. Bon Dieu dit nous à travers sa parole pour nous faire qu'on ait besoin nous, par des prières et par des supplications avec action de grâce. Bon Dieu qu'on ait besoin nous, déjà, mais il veut pour nous faire qu'on ait encore. Bon Dieu qu'on ait péché nous déjà, mais il veut pour nous faire qu'on ait péché nous. Si vous voulez considérer vie à la lumière de l'avenir éminente de Christ, à soi-là, nous conseillons pour rester dans la prière. Pour prier Dieu avec ferveur chaque jour. Comment un chrétien fait passer toute une semaine qu'il ne va jamais prier? La prière, c'est lui-même qui permet de nous parler avec bon Dieu pour nous faire bon Dieu qu'on ait besoin de nous. La prière, c'est lui-même qui, au jour le jour, augmente la foi nous. C'est lui-même qui rapproche nous au monde, le Père mon Dieu. C'est lui-même qui aide nous pour nous vivre dans la sainteté. C'est lui-même qui aide nous comme âmes pour nous combattre l'ennemi. Nous ne pouvons pas chaler guerre. C'est pas missile.
Mais la prière, les anciens étaient tellement attachés à la prière, ça devient au niveau des sanctifications tellement élevé, l'ombrage de seulement de guérir aux malades. Moi, je vous dis, nous faisons crever avec maladie. Parce que nous prions seulement les balles prier à malade. Faut nous prier d'abord la caille pour nous jouer une force. Pour nous prier avec malade, pour nous guérir malade, pour nous chasser les démons. Faut nous persévérer dans la prière. Et faut nous faire ça avec action de grâce. Première façon pour considérer modelant, fin modelant, c'est pour conduire pendant ou garder la venue éminente de Christ. Pour dire Christ a venu, et le Christ a venu, qui moun l'a venu chercher? L'a venu chercher moun qui se moun parle. Christ pas venu chercher moun l'église. C'est pas tout moun l'église qui se moun Christ. C'est pas tout pasteur qui se pasteur Christ. C'est pas tout évêque qui c'est évêque Christ. Moun qui c'est moun Christ relé dans le ministère. Amen. Il y a un pile d'assommant dans le ministère. Oui. Mais le ministère a dit quittez yo. Ou même quittez Bléa ensemble avec les frères. Quittez yo. Les justes juges. Jésus-Christ, l'homme sans défaut, sans égal. C'est lui-même qui a fait, qui a départagé Bléa avec l'ivraie. Moi, ma veille, nous chanel. Moi, ma voix, nous avons mauvaise intention. Nous avons gardé mon nom sous fini sous pot. Mais lui, ils sont des cœurs et ils sont des reins. Donc, en nous quittant le regard, nous fixons sur Christ, sur la venue de Christ, pour nous capables de vaincre à la prière. Pour nous capables de rester dans la prière et pour nous prier chaque jour pour nous faire ça avec action de grâce. Amen. Deuxième façon qui peut pousser ou considérer la fin est proche ou encore la fin vit partout, eh bien, au besoin. Remet yon l'autre. Aimez-vous les uns les autres profondément du fond du cœur. Est-ce qu'on connaît c'est un PC7 pour yon l'amour dans l'église? Oui. N'a pas chanté nos paroles ensemble? Nous va bien. N'a pas évité yon prêcher dans l'église l'autre, nous va bien. N'a pas dirigé service ensemble, nous fait semblant nous bien des chers. Vous capable de tromper pasteur Ina, mon baka copie Christ. Bon Dieu connaît que nous chaque qui chita la soya. Ni connaît intention nous chaque qui la qui chita soya. Nous besoin de remer yon l'autre. Pour nous aimer avec cœur nous. Dans l'évangile selon Saint Jean, il est écrit à ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez si nous sommes disciples Christ, mais pardon, vous avez exercé l'amour l'un envers l'autre. Yo va dire, ah, c'est ça, c'est mon Christ, oui. Frère, ça, c'est mon Christ, oui. Vrai chrétien va marcher du monde, c'est chrétien. Vrai pasteur, vrai leader va marcher du monde, c'est leader. Là, on a fait là, yo regardé, yo dit ça, c'est un homme, son femme de Dieu. Là, on a l'école là, notre travail là, yo regardé, yo dit ça, un homme, ça, son femme de Dieu. C'est pas où dit ça, c'est comportement. C'est action, c'est gens agis, c'est œuvre. Nous besoin remet yon l'autre. Nous besoin poser action d'amour. Moun pa remet en parole seulement. Ou remet en action.
On moun bagadou li remè ou pou 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 jèm goun ak d'amou, fòk gen yon ak kòm pwèv. Et bon Dieu prouve qu'il remè nou. Parce qu'elle voye Jésus-Christ mouri pou nou. Gen yon pil moun ki mal konprann sa. Yo pense Jésus-Christ mouri pou satisfè Satan. C'est comme si Satan tellement gros nèg pour bon Dieu sauver nous, il oblige voye Jésus-Christ mourir. C'est mal comprendre la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la justice de Dieu, il y a l'amour de Dieu. La justice de Dieu voulait depuis l'aime de fin péché pour nous mourir. Et l'amour de Dieu voulait pour nous vivre. Pour pas guimer s'entendre entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu, Jésus-Christ s'est offert lui-même. Amen. Jésus-Christ pas mourir pour satisfaire Satan. Jésus-Christ mourir pour satisfaire la justice et l'amour de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ mourir, l'amour de Dieu ouvre une porte pour nous la vie éternelle. Parce qu'elle est une péché de mourir. Ou pas voir Lucifer, elle fait une comète, il quitte l'inouïe. Même quand elle se fait abattre col dans le monde, fait tout le bruit où elle a fait son cadavre gâté, oui. Parce que le jugement est déjà prononcé. Tout le dégât où elle a fait, c'est vaisseau pour pas entrer en balle. Parce que c'est un être qui est très puissant. Et pas de monde qui a campé devant si Jésus dans le monde. Alléluia. Tout pouvoir où les hommes ont exercé sur la terre et lui même cap. Alors, on pense que Jean monde ça mené et bon Dieu qui a mené monde ça. Bon Dieu qui contrôle tout bagaille. Mais il n'est pas bon Dieu qui a mené monde ça. Jésus-Christ c'est comme ça. Mais prince monde là fini. Le monde a un prince. C'est le prince de ce monde qui provoque la guerre. C'est le prince de ce monde qui détruit. C'est le prince de ce monde qui divise. C'est le prince de ce monde qui a tué partout. Qui a fait crime. Toutes sortes d'actions abominables. Mais un jour comme aujourd'hui, il viendra. Le juste juge. L'homme sans égal. Notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui vient dans une clé de la mort, il clé séjour des morts. Qui vient clé tout abîme. Qui vient clé royaume dans tout. Amen. Il va ouvrir royaume dans nous pour nous entrer. Et Satan, avec tout adepte, avec tout acolyte, il va la guérir dans un feu éternel. Moi-même avec vous, nous besoin. Considérer tout bagaille presque fini. Si vous voulez considérer tout bagaille presque fini, au moins considérer la vie ou presque fini. Amen. Pas tout trois jeunes. Maman enterré petite. Maman enterré petite. Ou pas trop jeune pour mourir. Ou pas trop vieux non plus pour mourir. Parce que la mort, son ennemi lié, il va épargner pièce monde. Il n'y a pas besoin qu'on nous rend social ou. Il n'y a pas besoin qu'on soit homme de Dieu, soit une femme de Dieu, soit un grand prototype. Il n'y a pas besoin qu'on est. L'arrivée sur où, qui ou. Dans la voie, et puis c'est tout le monde en mouille, tel aller. Assurez-moi avec vous. Nous avons conviction. Si nous avons mouru, que Christ soit venu, mais nous allons résister. Parce que notre Christ. Et la résurrection, il est capable de nous ressusciter des morts et pour faire nous camper bien vivants avec l'autre monde qui est déjà vivant. Et nous allons rencontrer dans les cieux, dans les lieux. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Au besoin, considérez vie à la lumière de la venue imminente de Christ. Pour cela, il faut vaquer à la prière. Pour persévérer dans la prière. Deuxièmement, ou besoin remet yon l'autre de façon profonde et pas remet sous pont. Faut prouver ça. Ou pas remet même pour manger d'homme.
Ou pas qu'à remer pour faire pour l'homme sous moi. Ou est-ce que vous avez remé? L'homme a mal la triste. Si vous avez une famille, vous n'avez pas de petit lit. Si vous n'êtes pas bon ou pas bon, vous devez être là pour ne pas couper. Vous sentez en mélancolie parce que vous n'avez pas saleté pour petite fille là. Et pas saleté pour petite garçon là. Vous sentez triste. Vous n'avez pas de même. Dans l'amour, bon Dieu. Si vous avez un frère, si frère a fait un faux pas, il est tombé. Vous n'avez pas de dernier croix pour vous dire ça pour lui. Hypocrite. Voter ouais ça pour ou pas barrer ou pas barrer en bas ou pas droit rien ou bien content ça qui veut là parce que pas l'amour pour lui. Si vous avez l'amour pour lui ou t'as pas le bon côté ou t'as pas la veille ou t'as conseillé ou t'as fait position de main pour lui ou t'as intercédé bon côté mon Dieu pour lui parce que Paul dit si vous tombez c'est pour lever et ou même qui déjà campé et pour faire les autres pour pas tomber qu'en hauteur. Il y a un auteur qui dit, l'Église est la seule armée qui achève ses blessés. L'Église, c'est celle armée qui finit touiller un soldat qui est blessé. Ou dans l'armée, les nègres dans la guerre, les soldats blessés, ils cherchent des choses pour les marier, pour trop ça va couler. Et ils cherchent un côté pour les mettre. Pour capable de brûler l'autre base, une balle soin. Mais l'Église, l'autre blessé, l'autre tombé, ils mettent les pieds sous vous, ils viennent de l'Ikoa et sous vous, ils prêchent net. Comme si on avait un message encore. C'est péché là-bas au message. Ils font l'Église à souffrir, ils font un mois, deux mois, parler de vous seulement. Jusqu'à ce qu'on s'en souvient pour être l'Église là. Parfois, on change d'assemblée. Mais parfois on chite tout. Mais on même pasteur, prédicateur, qui devient un message diable ça. Bien qu'on prenne avec bon Dieu. Jésus-Christ dit, c'est bon Dieu qui a ajouté mon église. C'est là, comme pasteur à l'église, chaque monde est là, c'est Jésus-Christ, c'est bon Dieu qui a ajouté. Et pas que monde qui a resté. Jésus-Christ, c'est mon saillot. Si vous voulez aller, Jésus-Christ va empêcher aller. Jésus-Christ choisit 12 disciples et Judas te voulait aller. Mais Jésus-Christ, très démocrate, c'est volonté. Si vous voulez aller, il va empêcher aller. Mais si vous n'avez pas de pièces vagabonds qui ont gardé le nom. Nous devons aimer une autre. Gagner deux amis. Qui a fait un long chemin ensemble. Zami A, Zami B. Ils ont arrivé au coup de route. Zami A poussé Zami B. Zami B tombé. Et puis, bon Dieu, la force de lever. Et puis, là, les genoux sables, ils disent Zami m'a giflé. Zami m'a frappé, il a pris ça dans le sable. L'arrivée est plus devant. Zami A. Bas Zami B yon kou. Et puis il y a écrit sur sabla. Oh, regardez Zami nan bon kou. L'arrivée est plus devant encore. En troisième fois. Zami A. L'idil des propos grossiers. Il y a écrit sur la lèvre en fils. Non, ça. Il dit regardez Zami nan bim vie parole. Et quatrième fois, Zami B rivé sur une falaise pour la tomber, Zami A pop, il a empêché de tomber dans la falaise là. Et puis Zami B allait, trois salles va aller, il va aller sur le sable, l'aller sur le roc, l'aller sur la pierre, il écrit Zami l'a sauvé. Et quand il y a, Zami A dit comme ça, Zami A dit oh, Zami. Tout ça me faut qui malio ou écrit sur le sable. Et puis, green bagay ça me faut qui gagne ou écrit sur le roc. Il dit oui. Sauf elle qui malio, moi écrit sur le sable. Pour être péri. Pour mauvais temps.
pour de l'eau calée avec lui. Mais sauf un qui bien, mais que tu le vois pour le bâchant de toi. Moi, ma veille, c'est qualité ça pour nous gagner comme hommes et femmes de Dieu. Nous, quel est mon nom qui nous doit? Si nous le maïsien, depuis combien de 10 livres de terre par son estomac, moi, la blague. Mon frère, mon nom qui nous assure à la gueule. Amen. Ma soeur, mon nom qui nous assure à la gueule. Où est l'homme qui est mon nom ou mal à l'aise? Si ça pouvait, nous soyons beaucoup de gens qui passent en mieux ou pas changer. Des fois, on voit beaucoup de gens qui sont bâtis avec ou qui passent en mieux ou pas ou qui ont pas trop à l'aise avec, comme si le caractère était changé. Ou pas que nous avons compression qu'il n'a pas besoin. Mais si on a rencontré un monde qui aime, c'est un bon sourire. Est-ce que vous comprenez ça tout là? Ça, c'est un monde qui mal, mal oublié, écrit sur les sables. Et tant que les mauvais temps allaient avec eux. Mais ça, il faut qu'il vienne écrit sur l'Europe. Des générations, même quand elle dormit, il y a pas de bouée, il y a pas de bouée, il faut qu'il bien fait dans la vie. Yo. Et troisième et dernièrement, et pour finir, nous disons qu'il faut considérer vivre à la lumière de la venue éminente de Christ. Pendant que vous baquez à la prière, pendant que vous priez avec ferveur chaque jour. Et nous devons ensuite, il faut courir, mais une lot, écrit tout ça qui mal sur le sable, et ça qui bien sur le roc. Et enfin, on a besoin de considérer pour témoigner pour Christ et servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Témoigner pour Christ et servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Vous connaissez l'église, il y a besoin de puissance. Vous connaissez dans le diable y aller. Vous comprenez ça? L'orgue est puissance ou attirante. L'orgue est puissance ou attiré. Ou attirer le monde. Mais fou le monde. Parce que vous avez une puissance ou prend qui passe aussi dans mon Dieu, qui sorti de l'autre côté. Et puis, avec puissance mensongère, ça, on va faire miracle. Il y a des gens qui n'ont pas de puissance, non, mais ils font des trucs. Ils font des gens qui viennent de l'église, ils font des gens qui rangent les pieds comme ça. Et puis, comme c'est tout le monde qui est endommagé, il dit combien d'années, mais les gens bien qu'on est pas endommagé, le mari, il est bien marré. Et lui dit au nom de Jésus, vous allez lever marcher. Et pour les gens, vous qui levez marcher, ou qui ne connaissez pas, vous dites, ah, il y a une puissance de l'église. Ça, c'est un truc. Mais il y a tout. Satan a une puissance. Est-ce qu'il connaît Satan chargé à puissance? Un homme qui minimise Satan, ou un homme qui va comprendre, l'autre dit Satan, va plus là. Et bien, c'est Jésus, non, oui. La Bible dit nous dans le livre de l'Apocalypse. Satan n'est pas sur la terre. Satan est des adeptes sur la terre. C'est comme si les États-Unis, les guerriers étaient partout, soldats. Agents étaient partout. Mais pas l'armée américaine en soi qui l'a. Eh bien, la Bible dit nous. Malheur. Malheur à la terre. Parce que Satan va descendre vers la terre à la fin des temps. Il y a des anges, les anges Gabriel, qui ont pour mission pour pousser ici, sur la terre. Et les salles vont faire des ravages et des ravages. Et la Bible dit même nous-mêmes, les élus, sur terre, on va abréger, on va sauver. Parce que cet être puissant et fort, est capable de beaucoup de choses, à moins que Christ dans la vie, les adeptes de Satan, les regardent, ils paraissent pour les deux sous, ils ne sont pas capables, parce qu'on a un sang sous, qui c'est le sang du Saint-Esprit. Alléluia. L'Église doit être scellée avec la puissance du Saint-Esprit. Ou même qui a le privilège pour la soirée,
Ou besoin de témoigner pour Christ. Ou besoin de servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Selon 1 Pierre 4, verset 11. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas nécessairement le parler à d'autres langues. Il y a des gens qui connaissent si on parle en langue, on va gagner le Saint-Esprit. Est-ce que si on a gagné 1000 dollars dans la poche, en pièces, en papier, et puis on a gagné 1 dollar dans la poche, en scène, et puis scène n'a fait plus dans la poche, moi 1000 dollars n'a pas fait plus. Vous savez ce qui se passe? Non. Par contre, vous comprenez, non? Non. Vous avez seulement 1 dollar dans la poche, mais gagné en scène. Moi, j'ai gagné 1000 dollars dans la poche, en papier. Quoi ça fait bruit, mais quand pas dans la poche mais son papier il pas fait bruit. Tout le monde pensait que c'est que quoi pas quoi. Oh yes. Quand pile l'église, ils ont inventé le parler en d'autres langues pour faire qu'on ait organisé cette spiritualité. Le parler en d'autres langues n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Mais le parler en d'autres langues est aussi le Saint-Esprit. D'accord, si vous comprenez? Pas parce qu'on voit un monde en parlant en d'autres langues pour que tu penses que le monde n'a pas le Saint-Esprit. Mais le monde n'a toujours tout le Saint-Esprit et puis parler en d'autres langues. Aspéa, on nous témoigne pour Christ. Non, comportement. On nous témoigne pour Christ, non, tenir nous. Mon cher, il y a des gens qui ont mon habit, ou tout est fort, c'est mon bon Dieu. Ou pas dit pas mon monde, non? Mon doute est fort. Quel garçon, quelle fille. Ou tout est fort, quel c'est mon bon Dieu. On nous témoigne pour Christ dans les œuvres, nous. On nous témoigne pour Christ pendant qu'on a évangélisé. Ou pas besoin de pasteur pour évangéliser. Ou pas besoin de prédicateur pour évangéliser. De pour ses serviteurs et servantes de Dieu, quel que soit à côté de vous, ou capable d'évangéliser. Soit par comportement, soit par servir, soit par tenir, soit par l'engagement. On l'aime, je suis en Haïti, je travaille dans l'ONG, je suis sorti d'Elma. Petit-Ville Delma, pour m'aller dans Delma, prêt-il. Et puis moi, une mademoiselle, une dame, pays à battre comme ça, qui m'a dit mon lit pour aller en tableau dans le même. Ok, je me dis, monte, t'es pour prendre la machine. De nous, il veut plus parler de ma carrière. Et puis, je me dis, là, ma frère, il dit, oh, mais c'est un cas fois, je vais me parler, je me dis, désolé, moi, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Il dit, oh, même comme machine, je vais gagner, je vais comme machine. Il dit, monsieur, où ça là, mon pasteur, me dit comment ça? Me dit comment on va au pasteur, non? Hein? Dit, mais ce sont là, me dit comment faire ça, me semble en pasteur. Parce que les moutes machines là même, nous on bel petit filier, ma balle là, je m'en dis, mais. Lorsque mon bon Dieu, ça va être où son monde qui sent défaut, et c'est le Christ qui sent défaut. Mais lorsque mon bon Dieu, on travaille image chaque jour. Ou à travailler ma jour chaque jour, dans le travail côtoyé, dans l'école côtoyé, dans l'université côtoyé, côté étudié, dans toute zone, dans le côté habité. Et ma joie soigner la vie de mieux en mieux chaque jour. Mais les mêmes, à ce moment-là, nous t'arrêtons pour considérer vie à la lumière de l'avenir éminente de Christ, en vacant à la prière. Nous t'en aimons pour aimer une l'autre, pas ensemble en aimer, pour aimer à cœur, pour aimer de façon profonde, pour exercer de la charité. Et nous t'en aimons pour témoigner pour Christ et pour servir Dieu de la puissance de cet esprit. Et nous t'en aimons, on prend deux amis comme modèle, Zami A et Zami B, et plus particulièrement Zami B. Qui t'a écrit tout ça, Zami a été fait mal sur les sables, et tout ça a été fait bien sur le roc.
Si vous prenez ça comme un modèle, ça va aider vous pour tendre avec foi Jésus-Christ qui gagne pour les venir chercher moi-même avec vous. Et à ce moment-là, si vous avez un monde dans la salle qui vous connaît, Christ, sauvez ça. Homme sans égal ça. Juste et juste ça. La résurrection ça. C'est le temps. Pas gêné. Pas honte. Ou qu'approcher devant. Ou va jouer le monde. Des leaders dans l'église là. Qui est capable de parler à vous. Qui a fait une position de main pour vous. Qui a conduit avec ce sauveur et mesdames. Que Dieu vous soit en aide et que Dieu vous bénisse.